Alors, donc, dans cette vidéo, on va exactement voir ensemble comment gagner 50 000 euros en Allemagne. Ça peut être 50 000 euros en une semaine, ça peut être 50 000 euros en 2 semaines, ça peut être 50 000 euros en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois, en 1 an. On va s'arrêter à 1 an maximum, OK? Donc, on va d'abord exclure la dernière possibilité, parce que la dernière possibilité, ce sera exactement 50 000 euros en 1 an, ça c'est facile en Allemagne. Quand tu es un travailleur, tu vis sur le terrain, gagner 50 000 euros en 1 an, c'est vraiment facile. Donc, on va beaucoup plus se focaliser ici en fait sur l'entrepreneuriat et aussi sur les investissements et pourquoi pas sur le développement de soi-même. Donc, quand on veut gagner 50 000 euros en une semaine ou en 2 semaines ou alors en 1 mois ou alors en 2 mois, disons même 3 mois maximum. Alors pour cela, il faut développer certaines capacités humaines, certaines capacités en entrepreneuriat, certaines capacités en investissement. Donc si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle Simplice Foguet et je suis auteur du livre Vivre investi en Allemagne que j'ai écrit pour aider les Africains dans la communauté à mieux se développer, à mieux s'intégrer sur le terrain. Donc si tu fais une formation en Allemagne, le livre est intéressant pour toi. Si tu es étudiant, le livre est intéressant pour toi. Si tu es travailleur, le livre est aussi intéressant pour toi. Donc, et je suis aussi auteur du bouquin Réfléchissez avant de prendre cette assurance en Allemagne. J'ai écrit le bouquin aussi pour aider les Africains à mieux comprendre comment les assurances fonctionnent. D'ailleurs, si tu vis en Allemagne et que tu aimerais avoir le livre Réfléchissez avant de prendre cette assurance en Allemagne, je t'offre ce livre-là gratuitement. Tout ce que tu dois faire, c'est de nous envoyer un message sur WhatsApp. Je vais laisser passer le numéro de téléphone là. Si tu résides en Allemagne, je vais t'offrir le livre là complètement. Tout ce que tu vas payer, ce seront les frais d'envoi. OK? Et puis, on va t'envoyer le livre par la poste. Maintenant, si tu vis au Cameroun, OK? Et que tu veux aller en Europe, je n'ai pas dit l'Allemagne, j'ai dit Europe. J'ai aussi écrit un autre bouquin qui s'intitule Avant de partir en Occident. Si tu veux avoir le livre Avant de partir en Occident, je laisse aussi défiler les informations. Tu nous écris ou alors tu nous envoies un mail et puis on va t'envoyer le bouquin. Afin de comprendre comment tu peux bien te développer une fois arrivé sur le territoire. Et on organise aussi chaque mercredi à 17h30 des conférences en ligne avec des Africains en Allemagne. Ce sont des conférences en entrepreneuriat, des conférences en investissement, des conférences aussi en business, bon, aussi l'entrepreneuriat, conférences en impôts. Donc, on montre aux Africains, si je prends le cas des impôts, on montre aux Africains comment mieux comprendre les impôts en Allemagne, notamment quand on veut entreprendre et on est salarié à côté. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup d'optimisation fiscale que tu dois maîtriser en Allemagne et qui vont te permettre en fait de te démarquer et de gagner beaucoup d'argent en Allemagne. Et sur notre site simplicefoguet.com, tu peux prendre rendez-vous. Tu cliques sur le bouton bleu. Une fois que tu as pris rendez-vous, l'un des membres de notre équipe va t'appeler et on va voir comment est-ce qu'on pourra t'aider. Alors, je vais revenir sur le titre de la vidéo. Comment gagner 50 000 euros en Allemagne? Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est quoi? Déjà, pour tous ceux-là qui ont cliqué, pour tous ceux-là qui ont cliqué sur la vidéo et qui attendent que je leur dise, allez dans tel magasin en Allemagne, achetez un BIC, revendez ça dans tel site, en un jour, vous avez 50 000 euros, bien vouloir stopper la vidéo et passer à autre chose. OK? Je ne suis pas quelqu'un qui. Je ne suis pas fan du travail ou bien de l'argent qu'on gagne facilement. Parce que je sais que pour gagner de l'argent en entrepreneuriat ou en investissement, il faut mouiller le maillot. Et quand on dit mouiller le maillot, c'est vraiment mouiller le maillot. Parce que 50 000 euros en 1 mois, tu t'imagines, il y a des gens qui gagnent 50 000 euros en 1 an, il y a même des gens qui gagnent 50 000 euros en 2 ans. Et ici, on est en train de parler de 50 000 euros en 1 mois ou en 2 mois, par exemple. OK? Prenons même le cas de 1 mois. La première chose que tu dois comprendre, c'est que. Vu que moi, je m'adresse aux Africains qui résident en Allemagne dans ma chaîne YouTube, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que le volume d'argent que tu vas gagner, donc la quantité d'argent que tu vas gagner en Allemagne, oubla, la batterie est en train de se décharger. Quand je regarde combien de pourcents j'ai encore, oh, j'ai encore 10%, donc je pourrais quand même faire la vidéo. Le volume d'argent que tu vas gagner, ça va dépendre d'une chose. J'ai fait beaucoup de vidéos dessus. C'est la confiance en soi. Parce que rester avec un salaire de 2 500, 3 000 euros en Allemagne pendant 25 ans, c'est parce que tu as un gros manque de confiance en soi que tu dois compléter. Et pour compléter sa confiance en soi, il faut faire des exercices. Il y a beaucoup d'exercices qui permettent de pouvoir développer votre confiance en soi. Ça, c'est la première chose. Il faut développer beaucoup et beaucoup de confiance en soi. Parce que quand tu travailles en Allemagne, si ton salaire ne bouge pas, ce n'est pas parce que tu es un idiot.
Simplement parce que ta confiance en soi est très faible. Et plus ta confiance en soi sera faible, plus il sera difficile de pouvoir gagner beaucoup d'argent en Allemagne. Donc, la première chose, il faut développer ta confiance en soi. La deuxième chose, il faut arrêter d'écouter les vidéos sur YouTube où chaque jour on te dit 10 idées de business, 25 idées de business, 50 idées de business, comment partir de 5, de 100 francs à 15 millions. Arrête d'écouter ce genre de vidéos. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si tu passes ton temps à écouter ce genre de vidéos, ça va devenir de la distraction. Et quand ça devient la distraction, ça devient un jeu. Hein? Un peu comme quelqu'un qui passe des soirées à écouter les matchs de football, ça devient clairement la distraction. Et à un moment donné, il ne devient pas, il n'est plus actif. Il passe le temps à écouter les vidéos, il écoute les vidéos, il est content, il écoute les vidéos, il écoute les vidéos, il est content. Mais il n'est pas actif. Il n'est pas dans ce qu'on appelle l'action, en fait. Ça, c'est extrêmement important. L'action, c'est quoi? Tu veux gagner 50 000 euros en un mois ou en 2 mois. Ce que tu dois comprendre, c'est ceci. Maintenant, tu es en train d'écouter une vidéo. Après avoir écouté cette vidéo, je vais te donner un exercice. Ça, c'est un cahier. Donc, je me suis bien préparé pour pouvoir tourner cette vidéo. Ça, c'est un cahier. Et ça, c'est un bic. Quand tu écoutes cette vidéo, tu vas faire des notes. Parce que vous aimez qu'on vous dise que c'est facile, non? Tu vas faire des notes. Les notes que tu vas faire, c'est qu'est-ce que tu auras pris comme information. Maintenant, la troisième chose, choisis un domaine en Allemagne. Je dis bien un domaine. Toutes ces histoires qu'on te raconte, là, 10 idées de business, tu peux lancer 50 business, ce sont des foutaises. Aujourd'hui, c'est le dropshipping, demain, c'est le e-commerce, après, c'est l'agriculture, après, c'est l'élevage, après, c'est le transport, après, c'est les meublés, après, c'est, je ne sais pas moi, le frigo de 25 euros qu'on achète pour vendre à 50 euros en Afrique. Tu es partout. Arrête toutes ces foutaises à la con. Ce que tu dois faire, c'est ceci. Tu prends un business. Je dis un business. Tu travailles dessus pendant 2 ans. Seulement sur ce business. 2 ans. Je vais t'expliquer pourquoi. Dans tout business, il te faudra à un moment donné installer des systèmes. Peu importe les systèmes. Quand on dit des systèmes, ne pensez pas aux gros trucs qui sont en Chine ou bien en Allemagne ou bien aux États-Unis ou bien dans certains pays en Afrique. Non. Ne pense pas aux gros trucs. Quand on dit des systèmes, ce sont des petits éléments que tu vas mettre en place et qui vont se synchroniser les uns les autres afin de te permettre de gagner en temps et en argent, en fait. Donc, dans tout business, il te faut des systèmes. Donc, quand tu sautes, quand tu quittes de business en business, tu n'auras réellement jamais le temps pour apprendre à mettre un petit système en place. Un petit système. Tu n'auras pas le temps. Parce qu'à peine tu lances un business, ça ne marche pas ou bien, c'est en train de vouloir marcher déjà. Mais comme tu ne vois pas encore l'argent que tu gagnes, tu te dis que ça ne marche pas. Mais pourtant, sur le plan spirituel, sur le plan invisible, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent. Mais comme dans ta tête, il faut vite que tu gagnes de l'argent, tu ne comprends pas que du côté immatériel, ce qu'on va appeler un peu entre guillemets du côté spirituel, il y a des choses qui se passent. Tu dois être simplement patient. À l'époque, tu sautes, tu passes à un prochain business. Par exemple, si tu as commencé avec le dropshipping, tu passes par le e-commerce. Ou alors tu essaies le dropshipping, après tu as un problème quelque part, tu fouilles sur Internet, tu fouilles sur Internet, tu n'arrives pas à trouver la solution, tu te dis qu'il n'y a pas de solution. C'est faux. Et les solutions dans n'importe quel business, soit tu n'es pas assez informé, soit tu n'as pas les bonnes personnes autour de toi, soit tu n'as pas la bonne attitude qu'il faut pour ce business-là. Tout business a une solution. Mais toi, tu sautes de business en business. Tu passes ton temps à regarder les vidéos sur les business, les vidéos sur le coaching, les vidéos sur tout. Tu écoutes toutes les vidéos sur Internet. Aujourd'hui, tu pars, tu travailles un peu. Après, tu te lèves à 14 h au travail, tu t'ennuies, tu écoutes un peu une vidéo sur Internet. Après, subitement, comme ça, là, tu fais 3 mois, tu ne fais pas rien. Ta vie t'énerve, on te paye ton salaire, les factures finissent, ça te fatigue. Tu dis, ouais, il faut que je lance une entreprise. Boum, je veux faire le e-commerce. Tu passes sur Alibaba. Tu te bats un peu comme ça rapidement. Boum, 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 boum. Tu veux devenir e-commerçant, entrepreneur. Tu achètes, tu vends. Tu essayes un peu une fois. Créer le site Internet, ça te dépasse. On te dit qu'il te faut 500 euros, 1000 euros pour créer un site Internet. Tu dis que, hey, qui va payer ça? Tu abandonnes le projet. Tu connais quel projet sur dehors là que tu vas faire ça sans dépenser l'argent? Toutes les histoires qu'on te raconte dehors là, lancer les business sans argent, ce sont des foutaises à la con. Tout business va te prendre de l'argent. Si ce n'est pas l'argent que tu dépenses dans ta poche, c'est ton énergie, donc la nourriture que tu as mangée, qui va te donner la force. Et c'est ça que tu vas dépenser. Donc, c'est de l'argent invisible que tu vas dépenser dans le business-là. Et c'est que vous ne comprenez pas, en fait. Donc, quand tu veux gagner 50 000 euros, par exemple, tu te donnes un délai. Tu peux pas écouter la vidéo aussi.
et puis dans 2 mois, tu gagnes 50 000 euros. Non. Ça veut dire que soit tu étais déjà assez avancé, soit tu entreprenais déjà depuis quelques mois, quelques années, et peut-être cette vidéo t'a boosté, t'a orienté, soit alors, je ne sais pas, mais tu ne peux pas écouter la vidéo si tu te lances en entrepreneuriat demain et dans 2 mois, tu gagnes 50 000 euros. C'est impossible. Ceux qui te disent ça, c'est du pur mensonge. Tu as fait comment? Tu ne connais même pas comment créer d'abord l'entreprise, comment on fait le marketing, comment on développe un produit, comment on développe un service, comment on drague les clients, ainsi de suite. Tu as fait ça comment? Donc, si tu écoutes la vidéo, si que tu veux faire ça, donne-toi au minimum 1 an. Et pour que ça marche, il te faut un coach ou un mentor à tes côtés. Toi seul, il faut oublier, ça n'a pas marché. 50 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Hein? On est en train de parler de 50 000 euros en 1 mois, 2 mois, 3 mois. On ne parle pas de 500 euros, bien de 50 euros. C'est près de 32 millions de francs CFA. C'est énormément d'argent, en fait. Donc, ça veut dire que tu es déjà, quand on dit 50 000 euros, ça veut dire que tu es presque, si tu gagnes 50 000 euros en 2 mois, ça veut dire que tu es en principe déjà proche du million d'euros. Donc, 622, bien, 1 million d'euros, c'est combien? 662 millions de francs CFA. Tu es déjà proche. On ne dit plus 1%. On dit déjà peut-être 5%, 10% des 1 million de francs CFA. Donc, tu n'es plus loin. Donc, ça veut dire que, en principe, si tu réussis à gagner 50 000 euros en 2 mois, 3 mois, la probabilité pour toi de gagner 1 million d'euros est très élevée, puisque c'est simplement la même chose que tu vas répéter. Donc, le travail, c'est dans quoi? Le travail, c'est d'abord un travail qui est mental. Accepter au fond de toi que oui, je peux gagner réellement 50 000 euros en 2 mois, 3 mois. Et te mettre à travailler. Trouver quelqu'un, un coach, un mentor, qui peut t'enseigner des trucs basiques que tu vas développer en fonction de ton l'entendement de ta compréhension et de ton intégration de ces principes dans ton contexte personnel. Ça, c'est extrêmement important. Extrêmement important. La troisième chose, bien la quatrième chose, je ne sais pas à quel niveau est-ce qu'on est. Les prochains 6 mois qui viennent là, apprends à vendre. Les prochains 6 mois, apprends à vendre sur Internet. Tu ne peux pas gagner 50 000 euros si tu n'as pas les connexions, si tu ne comprends pas le marketing. Je suis désolé, en fait. Peu importe le business que tu vas faire là. Que ce soit un business qui est sur Internet ou bien qui n'est pas sur Internet. Tu ne peux pas gagner 50 000 euros en 2 mois, 3 mois si tu ne comprends pas comment on fait le marketing. Ça, c'est impossible. Si tu refuses de faire le marketing, tu vas gagner 10 000 euros pendant 45 ans. Tu vas gagner 3 000 euros pendant 45 ans par mois. Chaque mois, 3 000 euros. Si c'est OK, si ça te plaît, si c'est ce qui t'arrange, c'est aussi tranquille. Il n'y a pas de souci. Mais ne passe pas le temps à écouter les vidéos sur comment gagner 20 000 euros en 1 mois, comment investir et gagner 100 000 euros. Et tu dis que tu es fier de gagner 2 000 euros par mois. C'est que tu es un gros sorcier. Je suis désolé, si ça ne te plaît pas, tu te désabonnes, je m'en fous. C'est que tu es un gros sorcier. Donc, il faut que tu sois conscient de ça. Et c'est ça le but de cette vidéo. C'est de te remettre en question et que tu passes à l'action. Choisis un business, apprends à faire le marketing les prochains 6 mois, 1 an, 2 ans qui viennent. Travaille là-dessus. Chaque jour, ne lâche pas. Ne lâche pas. Parce que plus tu performes en stratégie marketing sur Internet, plus tu vas te rendre compte que même 100 000 euros en 1 mois, tu peux gagner. Même 200 000 euros en 1 mois, tu peux gagner parce que tu as compris comment le marketing fonctionne. OK? Allez, on est ensemble. Big up.